Solution COP21, c'est une exposition universelle pour montrer que la société post-carbone, c'est possible. C'est le pendant de ce qui se passe au Bourget. Au Bourget, ce sont les hommes politiques entourés des associations, des représentants, des collectivités. Ici, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va faire. L'enjeu, c'est de montrer aux gens qui vont venir très nombreux, on attend 50 000 personnes, qu'il y a des solutions qui sont aussi une part des solutions. D'ailleurs, on attend des idées des gens qui vont venir. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises aussi qui sont présentes. L'enjeu social est majeur. Le temps de la transition énergétique est venu. D'abord, investissement massif dans les transports collectifs. Le débat, c'est dans une trentaine de minutes. So much new stuff, so cool. On est venu d'Ukraine. We are from Canada. On a appris à trier les déchets. Et on a passé une très bonne après-midi. La préservation des ressources naturelles est un préalable à toute action. On doit faire des efforts pour pas que la Terre se réchauffe trop. On est ici pour dire que les solutions existent déjà. Des solutions pour concilier économie et mode de vie durable. Le véhicule électrique, c'est une solution d'aujourd'hui au même prix qu'un véhicule thermique. Un convoi fluvial, c'est 250 camions en moins sur les routes. Le vélo pour les salariés en entreprise, c'est une solution simple à des problèmes complexes. We have renewable energy, we have energy storage systems as well. Avoir une stratégie climatique, c'est du bon sens économique, c'est bon pour tout le monde. Nous pensons que les enjeux climatiques doivent être traités dans leur globalité. Chauffer une ville de 170 000 habitants à partir de paille transformée en énergie, c'est 400 000 tonnes de CO2 évitées. La propriété industrielle est un catalyseur de l'innovation pour les PME. L'Office du tourisme du Maroc vous invite à Marrakech en 2016 pour la COP22.